الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغمي صلى الله رب العالمين. C'est lui qui va se faire bien. Nous vous continuons l'explication lors de Sourate Al-Fatiha. Inch'Allah, aujourd'hui, nous commençons avec la quatrième ayat qui est dans sa Sourate là, quand Allah Rabbul Amin dit « Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in ». Alors, rappelle qui nous dit que Sourate Al-Fatiha, c'est sa même plus grande Sourate qui est dans le Coran. Et sa ayat là, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dans Surat al-Fatiha, c'est sa même ayat qui est plus important. Parce qu'il a dans Allah subhanahu wa ta'ala, pécause concernant l'objectif qui fait les fin créer insan, les fin descendre ban livre et les fin envoyer ban prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nous faisons zis de tout seul. Ton ibadat et nous cesse existe avec toi tout seul. Après qu'Allah Rabbul Amin définit informe nous concernant lui-même, dans la première ayat, deuxième ayat et troisième ayat, Allah fait nous connaître qui dit Rabbul Amin, Ya Rahman, Ya Rahim, Lima Aliki Yawmiddin, tout cela c'est une information concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite, il fait nous connaître nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous faisait faire ibadat zis pour lui tout seul, nous besoin d'eau lui tout seul, et nous besoin cesse zis avec lui tout seul. Alors, ben à doute que ça c'est l'objectif principal de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il va fin créer djinn avec insan, excepté pour faire ibadat. Wa ma khalaqtul djinn wal insa illa liya'budun. Wa fin créer djinn avec insan, excepté pour faire mot ibadat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier ayat même, l'infini fait nous qu'on nous devoir vis-à-vis de nous étant ben créatifs Allah qui font partie d'Al-Alamin, nous devoir vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui nous fait juste ce ibadat et nous n'a pas cesse d'aide avec personne à porte à porte. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui lui fait une cause avec nous, « Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in » jusqu'à na'buduka وَنَسْتَعِينُ بِكَ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre complément objet direct après. Alors les dire إِيَّاكَ نَعْبُدُ, ça veut dire là, ça est celle-là dans la langue arabe, c'est un سُيَّرُ الْحَصْرُ, ça veut dire indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir qu'il nous fasse une chose spécialement juste pour lui. Alors ça est celle-là quand nous servit, c'est Allah Rabbul Amin il peut faire nous comprendre qu'il comme signification de sa ayat là, c'est pas juste nous adorons toi, mais nous adorons toi, nous pas adorons autre que toi. Nous cessons avec toi, nous pas cessons avec autre que toi. Alors c'est ça, vraie signification de sa ayat là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin service à celle-là, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, qui différence est entre ça avec na'buduka, c'est qui te tout seul sur ibadat nous faire, et avec te tout seul nous demande aide. Alors, il y a un doute qui, Allah Rabbul Amin, nous fait nous connaître qui, ibadat, c'est une action qui nous fait zis avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَفَ غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Ô Muhammad, dit, est-ce que je peux ordonner moi pour faire ibadat d'un autre à part d'Allah, ô man ignorant? Ça, c'est une question qui est claire, ça. C'est juste man ignorant qui quitte Rabbul Alamin, qui quitte celui qui je t'ai d'avoir rencontre avec lui les jours du Qiyama, pour qui je t'adore, mais les autres apportent. Alors, c'est un kitcho qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait une clé de la Coran qui, ibadat, nous a fait zis pour lui tout seul.
Alors, Allah peut informer nous qui nous besoin d'Oli. Après qu'il finit d'informer nous concernant ce ban attribut, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît l'Iyem ni Rob qui est unique, l'Iyem ni Napiché qui englobe toute la création, c'est lui qui nous besoin retourne vers lui. Ça prouve qu'Allah peut inviter nous vers sur l'adoration pour montrer nous qu'il est celui qui vraiment mérite ça, l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait une cause sur une qualité, c'est pour montrer nous que c'est lui qui mérite pour nous adorer. Lui-même, il a besoin de créer sa bonne chose. Lui-même, il a besoin de faire, lui-même qui a besoin de prendre notre compte. Lui-même qui a besoin de donner toujours la nécessité. Lui-même qui a besoin de propriété de tout. Lui-même qui est là, pitié pour vous autres. Et avec lui-même qui était là pour le rendre. Avec lui-même qui était là pour le rendre compte. Alors, il y a d'autres qui, par ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qui sa ibadat qui, il peut demander nous pour nous faire pour lui là. Lui, il a tout droit, là. Il mérite ça qui est là. Il n'y a pas de chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire nous adorer et qui n'y pas mérite. Li. Et en même temps, nous pouvons comprendre par ça qui nous besoin d'adorer lui tout seul et nous n'avons pas le droit d'adorer un autre apporte lui parce qu'il ben, les autres apportent lui. N'a pas une sa bonne qualité qu'Allah Rabbul Alamin est là. Est-ce qu'il y a un autre apporte Allah qui crée quelque chose? Et il y a quelqu'un apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous certainement quelque chose. Et il y a quelqu'un qui propriétaire certainement quelque chose. Il y a d'autres qui, et est-ce qui, quand nous retournons vers Allah, il y a l'autre apporte Allah qui nous rend compte avec lui. Alors, il est clair par ça que Allah subhanahu wa ta'ala demande nous pour nous servir une logique pour qui nous adorons celui qui mérite pour être adoré. Non plus qu'il nous prend l'adoration. Nous donne ça à pied, nous donne ça à roche, nous donne ça à idole, nous donne ça à tout le monde, et qui, ça maintenant, je ne vais pas créer rien pour nous, je ne vais pas donner nous rien, je ne vais pas protéger nous de rien, mais qui fait nous faire ibadet ben les autres à bord d'Allah. Il y a d'autres qui la logique demande pour nous adorer ça, celui qui, lui qui fait mettre nous en existence sur la terre pour créer nous, lui qui donne nous toutes nos nécessités, lui qui prend nous compte, alors c'est lui tout seul qui mérite pour nous faire sur ibadat. À cause même qui ban ulama, je fais tout le temps servi ban preuve qui cause concernant tawhid al-rububiyya, tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant sur une action qu'il fait, étant créateur, étant celui qui donne nous toutes nos nécessités, etc. Pour prouver l'obligation de tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya veut dire tawhid qui nous adore juste Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Alors, quand un dit qu'il accepte qu'Allah créate tout ce chose, il accepte qu'Allah qui donne la vie de l'amour, Allah qui donne guérison d'une maladie, Allah qui est capable de protéger, Allah qui a servi depuis dans n'importe quelle difficulté, alors ça, l'iman qui vient amener l'eau-là, oblige pour qu'il y ait un iman qui existe Allah, qui mérite pour être adoré, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, peine à doute qui n'a pas le droit d'adorer personne. Et sa forme, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser nous là, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Il y a d'autres qui nous comprennent par ça qu'Allah Rabbul Amin, il peut montrer nous qu'il est proche avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous capable cause avec lui n'importe quoi de sa nuité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui tente tout, qui trouve tout, et lui, il n'a qu'à passer le tout. Alors, à cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Baqarah, il fait nous connaître, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand mon esclave, mon serviteur demande-toi concernant moi, dis maintenant, mon prêt. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt. Quand nous disons Allah Rabbul Amin est prêt, il ne faudrait pas nous mal comprendre quand nous disons Allah est prêt. Allah est prêt, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est besoin ensemble avec son créateur pour lui prier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un lit grand. Ça a laissé là, il dans sur les doigts, ça. La terre dans sur les doigts. Tout le roue de Manjimoun dans les doigts Allah. Tout le création dans les doigts Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui Allah rebramine pour grandir et qui aider. Tout qui soit prêt pour lui. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin dire nous qu'il est en bas. L'eau la terre, mais Allah Rabbul Amin tout le temps fait une cause qui est là-haut, il est élevé le trône. Alors, malgré qu'il est élevé le trône, alors pour montrer nous ce grandir, ce capacité, si tant il est grand, il est prêt avec nous, il attend nous tout ce qu'il nous dit, et il attend nous pour nous invoquer, et il dit, me répondre à l'appel de celui qui fait droit quand il appelle moi.
Alors, n'importe quand on appelle Allah, n'importe quand on fait une demande avec Allah, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être à nous et il pourrait pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Samia, c'est lui qui t'entoure. Il y a le Mujib, c'est lui qui répond, nous ben l'appel. Alors, faudrait pas un musulman lui hésiter pour lui demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire salat, on peut dire doucement. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être à nous quand on peut dire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il peut répondre nous. Il dit, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ça, il entre moi et mon esclave. Et pour mon esclave, ce qu'il demande, il demande. Alors, regarde comment Allah Rabbul Amin, il est proche avec nous, qui, comment nous cause avec lui, nous dit, il y a qu'un abudu, il y a qu'un assain, tout de suite, il répond nous. Ça, c'est entre nous, entre moi et mon esclave. Et pour mon esclave, ce qu'il demande. Alors, il ne faudrait pas, à aucun moment, nous ressentons-nous comme si nous besoin d'un intermédiaire pour nous joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche avec nous et Allah lui tend nous. Alors n'importe quand nous peut faire ce hélo, nous peut proclamer ce grandeur, peine à doute qu'Allah Rabbu Amin lui peut tend nous et en même temps, peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut montrer nous qui quand nous rapprochons avec lui, pas faire ce ham. Pas glorifier les pas faire ce hélo, peine à doute que ça c'est un moyen qui nous rapproche avec Allah, que nous sommes capables d'invoquer et pour accepter nous, pour accepter nous demande. Alors dans Surat al-Fatiha, dans la première ayat, nous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est éloge pour Allah. Ar-Rahman Rahim, c'est éloge pour Allah. Maliki Yawmiddin, c'est éloge pour Allah. Alors quand nous faisons éloge dans trois premières ayats, comment nous dire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in? Allah qui dit ça c'est entre moi et mon esclave. Et pour mon esclave, c'est qu'il demande, comme si nous ne finirons pas avec Allah. Et ça c'est un premier adab d'ordre, c'est qui nous fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'Allah nous fait nous demande. Mais la doute qui s'y endimoune, il fait demande directement. Allah Rabbu Amin peut écouter, Allah capable de répondre. Mais seulement pour qu'il nous doit. Les prix est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigne-nous pour nous faire éloge Allah en premier. L'Allah nous fait nous demande, afin qu'il nous doit les prix accepter. Et dans Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, puis enseigne-nous pour nous glorifier et lui montre-nous que quand nous finissons glorifier lui, nous finissons faire ce éloge, alors nous venons proche avec lui, quand nous faisons demande, nous demande les accepter. Alors, comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala est proche avec nous. Alors nous invoquons-le directement et nous payons pour passeport. Aucun intermédiaire pour nous joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine à doute que c'est un grand erreur qui beaucoup ben, musulmans font et beaucoup ben, de gens font pour prendre ben, intermédiaire en joute avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à doute qu'il y a un mouchrik. Ben, qui peut prendre ben idole, ben pied, ben la croix, n'importe qui se peut prendre. Comme un intermédiaire pour joindre avec Allah. Et ben qui peut prendre ben djimounmo, ou bien ben wali, ou bien n'importe qui s'en là. Pour joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala, peine à doute qui ça, c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit clair, Iyaka na'budu. Toi tout seul, ce ibadat nous faire. Et avec toi tout seul, nous demandons aide. C'est tout demande qu'il est là pour faire. Nous demandons directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas par aucun chemin pour nous joindre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben doit qu'il y ait dans le Coran, ben doute qui c'est une indication claire qu'Allah subhanahu wa ta'ala filmait. Comment nous faisons invoquer et tout ben doit qu'il y ait dans le Coran, où vous trouvez qu'Allah Rabbul Amin, puis enseigne-nous pour nous adresser directement avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun droit. Dans n'importe quelle époque qui prend le prophète fin bini, puis enseigne pour qu'ils ont du droit à travers intermédiaire qui ken. Passeport ban prophète, ou bien passeport ban ange, ou bien passeport ban wali, tout ça là n'a pas dans le Quran. Et le Quran c'est meilleur guide. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il fait montrer nous beaucoup de droits. Et tout ban droit qu'il fait demander, il enseigne nous pour nous demander directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à doute qui demande Allah Rabbul Amin à travers mon intermédiaire, c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbul Amin y protège. Et les malheureux qui beaucoup de monde disent, quand pas qu'on comprend, il y a qu'un na'budu, il y a qu'un nasta'in, il finit dire ça, il finit faire un amal, il finit dire ça, après un amal tout de suite,
li pe djiman do avec Allah, li passe par intermédiaire pour djiman avec Allah. Li pan comprend qui veut dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et ça, li malheur qu'il y a aujourd'hui beaucoup musulmans comme ça. Li dit kalima la ilaha illallah. Et ça ayat là, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, il y a une signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est qui peut la personne qui mérite adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les finis disent ça, ensuite, comment les finis font la mal, autour de l'Ijman doit, ils passent par intermédiaire, ils passent par les autres apportent Allah, pour les joindre avec Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les finis mettent clair qui, ban mouchrik, c'était ça, je ibadat que je vais faire. Je vais adorer ban idole, oui, mais c'est moi, je vais prendre sa ban idole là comme quoi, comme un intermédiaire pour joindre avec Allah. Et je dis avec Allah, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous pas adorons sa manna, ça ne va pas par intermédiaire de sa manne idola, excepté qui je serve ça comme un moyen pour qui je rapproche avec Allah. Alors celui qui passe par un intermédiaire pour rapprocher avec Allah, c'est ça shirk qui va le mouchrik fin faire dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas l'accepter. Je suis iman qui je tiens à l'Allah. Est-ce qu'il y a un mouchrik dans ma carte qui est iman à l'Allah? Il n'y a pas de doute que oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wala in sa'altahum, man khalaqa samawati wal ard, la yakulunna Allah. Quand vous avez dit, qui est-ce qui vient créer la terre et l'échelle? Il y a un mouchrik dans ma carte. Jamais je suis idole. Jamais je suis dit, les autres apportent Allah. Mais tout le temps, je ne dis que ça, je ne dis Allah. Je tiens à iman à Allah. Mais je tiens à iman dans Allah est arabe. Et dans son rouboubia, je savais l'iman. A cause même qu'il nous dit que c'est un djimoun. Il y a la théorie d'un rouboubia tout seul, il n'est pas encore un musulman. Parce qu'il veut même un mouchrik dans ma cas, je tiens la théorie d'un rouboubia. Si vous avez besoin d'un mouchrik dans ma cas, c'est ça qui fait l'abri tomber. Je vous dis, oh Allah. Si vous avez besoin d'un mouchrik dans ma cas, c'est ça qui donne l'amour. Je vous dis, oh Allah. Tout une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire, un mouchrik dans ma cas, je savais l'iman là-dedans. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin considéré comme un mouchrik et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin considéré comme un mouchrik et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin fait dawa pour inviter je vais tawhid. Ça veut dire que le tawhid qui j'étais là, tawhid al-ruboubiya, il n'est pas suffit. Ensemble avec tawhid al-ruboubiya, il est très important pour qu'il y ait tawhid al-uluhiya. Et tawhid al-uluhiya, nous ne pouvons pas aller excepté quand nous faisons ibadat 10 pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. C'est lui qui tout son ibadat. Il fait pour faire plaisir à Allah tout seul et il n'y a pas d'eau, excepté Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle forme d'ibadat. Et puis il y a d'autres qui doivent, c'est un, par une plus grande forme d'ibadat, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Ad-du'a huwa al-ibadat. Doua c'est sa même ibadat. Doua c'est sa même ibadat. C'est sa même plus grande ibadat qui nous fait. Puis il y a d'autres qui doivent, c'est un moyen qui nous rapproche plus avec Allah, en cause même qui, dans la mansi, nous fait doua. Et namaz, un parmi semaine, non, c'est doigt. Ça veut dire, salat, c'est aux significations, c'est doigt. Alors, à travers doigt, c'est nous rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ibadat, doigt, nous devons faire avec ça, non. Nous devons faire avec Allah. Et c'est ça qu'on va nous dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finance nous dans le Coran. Et c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fin enseigne nous dans un hadith, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Wa idha sa'alta, fas'alillah. » Quand tu es là pour demander, dis-moi 10 avec ça. Dis-moi avec Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Comme ça même, quand Allah Rabbul Amin peut montrer nous, peut informer nous, qui nous dévoie vis-à-vis de ce qui nous faisait faire ce ibadat. Alors, il est trop important pour un musulman, il apprend concernant qui veut dire ibadat Allah. Comme ça même, il faut connaître comment vous faire ibadat Allah, qui a une condition qui est attachée dans sa man ibadat là pour qui sa man ibadat là est accepté auprès d'Allah. Alors ça c'est une question très importante qu'un musulman il doit poser quand il connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait il connaît qui se dévoile vis-à-vis de ce que c'est nous faire ce ibadat, c'est nous demander aide. Alors ça c'est nous devoir vis-à-vis Allah et Allah pas fin créer nous excepté pour faire ce ibadat. Alors, il est trop important pour nous comprendre qui veut dire les mots ibadah. Quand nous guettons les mots ibadah, qui sont aussi depuis le verbe abada, abada veut dire faire ibadah. C'est-à-dire, là-dedans, il y a une indication qui vous peut
montrer où qu'il y a un esclave pour Allah ou dans l'esclavage d'Allah. Ou peut dénigrer où devant les créateurs, ou peut humilier où devant les créateurs, c'est ça. Côté langage, les mots abd, à cause même qui un esclave, on appelle les abdun. Ça, c'est un esclave. Alors, les mots abada, et non, ça, sa signification esclavage, non, et non, sa signification qui nous dénigre nous devant Allah, nous humilie nous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous mettons les mots ibada, dans le côté charia, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui donne une définition complète pour sa mot al-ibada, il dit ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-batinati wal-zahira. C'est un mot collectif qui comprend toutes mes paroles et mes actions invisibles et visibles, qui Allah content et satisfait de ça. Alors, toutes les choses qu'il fait, qu'il soit dans forme parole ou bien action, qu'il soit dans les choses qui paraît ou bien dans les choses qui ne paraît. Par exemple, un homme garde rosa. Est-ce que ce rosa apparent? Ce rosa pas apparent. Et ça, c'est dans les choses qui pas visible. Un homme peut faire salat. Est-ce qu'il est apparent? Oui, il est apparent. Un jour, peut lire le Coran, il est apparent. Alors, toute chose qui est apparent ou bien qui n'est pas apparent, qu'il soit en parole ou bien en action, qui nous fait ça, pour qu'Allah Rabbul Amin compte en nous, pour qu'Allah Rabbul Amin est satisfait avec nous. Il y a d'autres qui c'est ça qu'appelle Ibadat. Alors, Ibadat nous n'allie dans toute forme. Et la Ibadat qui nous fait avec les cœurs. Par exemple, nous iman, ils font partie de nous les cœurs. Nous, l'amour pour Allah Rabbul Amin, nous, l'amour pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, c'est une action l'équerre. Et c'est une grande ibadat. Une ibadat qui nous fait avec nous l'équerre. Niyat, c'est une ibadat qui nous fait avec nous l'équerre. Et nena, c'est une action qui nous fait avec parole, avec nous la bouche. Une dhikrullah, une tilawat Quran, etc. Et nena, une action qui nous fait, une ibadat qui nous fait avec nous même. Alors, par exemple, un jour, il fait salat, un jour, il fait hajj. Et une ibadat qui nous fait avec nous l'argent. Vous dépensez dans le chemin d'Allah, vous dépensez sous efforts ou bien vous dépensez sous l'argent. Alors tout cela, c'est une différente forme d'ibadat qui un djimoun est capable de faire pour les rapprocher avec Allah. Tout cela qu'on nous fait, nous devons faire juste pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Un djimoun peut donner dans le chemin d'Allah, il n'y a pas un droit qu'il peut donner ça, il peut attendre qu'il un djimoun dise hey, ça est extra généré. Hein. Ça est content de dépenser dans le chemin d'Allah. Mais il donne pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et je veux faire namaz, je fais namaz pour faire ibad, pour faire Allah plaisir. Les grands rosas pour faire Allah plaisir. Les jimandois pour faire Allah plaisir. Les liens Quran pour faire Allah plaisir. Tout ibadat qu'il fait, il fait l'isis pour gagner satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand un kitso gagne satisfaction à Allah derrière ça, on appelle un ibadat. Alors, quand on appelle un ibadat, nous devons faire ça kitso là, zis pour que ça. Nous devons faire ça qui sera juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaît qui ibadat, pour qui sa ibadat là, il considère comme un bon ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, faudrait qu'il sa ibadat là ait trois piliers là-dedans. Trois piliers, c'est trois choses qui sont très importantes, qui visent et n'allient dans une ibadat, pour qu'il nous ibadat et être considéré comme un bon ibadat auprès d'Allah. Premier, c'est qu'il nous devons faire sa ibadat là avec l'amour. L'amour pour Allah. C'est un amour quand nous faisons. Il ne faudrait pas quand il peut faire une ibadat, comment il n'a pas envie de faire. Ça, c'est l'ibadat de Ban Mounafek. Ban Mounafek, quand je dis pour faire salat, par exemple, je dis avec la paresse. Je dis avec la paresse et je parle Mazin Allah beaucoup. Alors, un djibout qui peut faire ibadat pour faire Allah plaisir, lui, quand il fait n'importe quelle ibadat, il fait salat, il fait ses efforts pour qu'il soit concentré dans ce salat et il fait avec un amour. Et en même temps, nous besoin et dans l'espoir qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour accorder nous ce qui nous besoin li et li pour donner nous une grande récompense pour sa bonne ibadat qui nous veut faire. Nous avons l'espoir de Allah qui accepte ça de nous et li pour récompenser nous pour ça. Comme ça même nous faire li avec la prière pour Allah. Nous pas capable faire ibadat et nous pouvons dans la prière pour Allah. Nous besoin de faire ibadat avec la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous m'asnez, si nous pas pour faire ça, qui nous mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à doute que c'est dans sa façon-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous faire ibadat. Et c'est dans sa façon-là même que tout le prophète d'Allah fait faire ibadat.
Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause, concernant l'ibadat des souverains prophètes, il fait connaître que je peux faire l'ibadat avec rahba, avec l'amour et avec la frayeur pour lui, bien à doute que c'est dans sa façon-là qu'un musulman lui besoin faire tout souverain ibadat pour que sa ibadat-là lui considérer comme une ibadat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon, dans tout ibadat, sans exception, et dans des conditions qui visent à réunir. Si un ibadat, peut dans sa des conditions là-dedans, sa ibadat-là, il n'est pas pour accepter auprès d'Allah. Premier, c'est l'ikhlas. C'est-à-dire, quand on peut faire sa ibadat-là, on peut faire sa ibadat-là pour faire Allah plaisir. Comme Allah, Rabbul Amin, il dit, innama l'amalu bin niyat. Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, il dit, innama l'amalu bin niyat. Tout nouvelle action qu'il nous fait, lit d'après nous l'intention. C'est-à-dire, dans nous l'intention, nous devons faire l'intention qui nous peut faire cette action-là pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir. C'est lui qui fait un ibadat et qui lui attend qui va dire, ben, Dimoun, pégetli, ou bien, ben, Dimoun, pétanli, c'est-à-dire, il peut faire ça pour montrer les yeux Dimoun, ou bien pour faire Dimoun tendre. Ben, il y a d'autres qui ça, il ne peut pas accepter auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala résette sa qualité d'action-là. Il n'y a pas que ça qui est associé ensemble avec Allah. Dans ce bon ibadat, Allah quitte avec ce bon association. Alors, quand on fait ibadat, veillez qui vous pouvez faire sa ibadat là pour faire plaisir à Allah. Il ne faudrait pas vous faire ibadat à cause du monde pégétou, à cause du monde pétanou. Mais vous faites ibadat pour faire Allah plaisir. À cause de ça, qu'il est très important à chaque fois. Avant que vous commencez à faire une ibadat, vous révisez une niyat. Parce que si une niyat pas bon, ou action n'a pas pour bon là. Révise une niyat. Faire une niyat bien une bonne niyat. Une niyat qui peut faire ou ibadat accepté auprès d'Allah. Peine à doute que sa condition-là est très très important qu'un musulman l'y prend compte avant de faire n'importe qui ibadat. Mais seulement ensemble avec ça, connaît qui 10 bonnes niyat pacifiques. C'est un dimon, il y a une bonne niyat, mais seulement sa action qu'il peut faire là. Lit pas d'après principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Si ça ibadat qui dit bien le faire là, lit pas d'après principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, connaît qui n'est pas considéré comme un ibadat. Il n'est pas pour être considéré comme un ibadat. Un dimon, par exemple, il fait une bonne niyat pour qu'il fait une innovation. Par exemple, il peut célébrer, par exemple, c'est pas. L'anniversaire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce niyat bon, il peut faire Yawmoun Nabi. Est-ce qu'il y a Yawmoun Nabi? Il n'y a pas mis une action qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Est-ce qu'il y a Yawmoun Nabi? Il n'y a pas mis une action qui man sahaba, ridwanullah alayhim, fait pratiquer. Mais il y a doute que n'importe quelle action qui n'est pas fait partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait dire nous, qui sa qualité d'action-là, il est résété. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. N'importe qui s'en a qui invente dans nos principes, quelque chose qui nous parfait de faire, alors sa qualité d'action-là, il est résété. Celui qui fait une action qui ne dit pas d'après le principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni d'après ce qui man sahaba fin faire, ça veut dire jamais le Rasoul sallam fin faire sa ibadat là. Jamais man sahaba fin faire sa ibadat là, il n'est pas qu'à ibadat. Parce que si tu as une ibadat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu as des voies pour enseigner nous. Parce qu'il peut n'y avoir aucun bien qui rapproche nous avec Allah, excepté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de cachette dans les dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que sa dîn là, il est complète. Elle dit, « Akmal tu lakum dînakum. » Aujourd'hui, il est complète pour ce dîn. Ça veut dire, tout l'enseignement qui tient là pour enseigner nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous. Mais il n'y a rien qui dit infiniment, il n'y a pas de récit enseigné. Ce qui appelle din, tout ce qui appelle din, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne sa oumatla. Alors sa oumatla, il n'y a rien pour faire excepté qu'il était. Apprendre, copier, depuis ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigné, ensuite il pratiquait. C'est lui qui fait ça, peine à doute qu'il peut faire ibadat. C'est lui qui peut faire quelque chose, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais enseigné. Jamais man sahaba fin pratiquer, peine à doute. Qui devait commettre bid'ah. Et c'est ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce khutbah. L'isme commence par khutbatul hajjah.
Et Khutbatul Hajj, c'est sa même parole en arabe qui nous citait au commencement des nouvelles causeries, au commencement des nouvelles leçons. Qui commençait par Inna Alhamdulillah et il termine avec sa même parole qui, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fin met l'emphase à chaque fois. Qui sa même parole là? Kullu muhdathatin bid'a. Chaque nouveauté, c'est bid'a. Wa kullu bid'atin dolala. Et chaque bid'a, c'est l'égarement. Wa kullu dolalatin finnar. Et tout l'égarement, l'ipouda là, l'enfer. Alors, fin à doute qui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fin quitte nous loin d'in, qui clair. Sur la journée et sur la nuit, pareil. Alors, faudrait pas ou déclarer avec ban texte clair, pareil. Et qui aucun ban alim, ban grand grand ulama, ban grand grand aïm, n'a pas fini de comprendre autre que ça. Je tout fini de comprendre d'in là comme ça même. Ou prend Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, tout ce grand grand imam là, et ben les autres qui nous ont fini de citer non. Prends depuis Rasul Sassam, Binyem Ban Sahaba, Binyem Ban Tabi'in, Ban Tabi'a Tabi'in, Ban Aïma, et tout le monde qui suit ce chemin, je tout je finis comprendre, même l'islam. Même façon. Peine à personne, parmi les qui nous viennent citer là, qui en a trop, par exemple, Yamoun Nabi, c'est un ibadat. Qui fait? Parce que je connais que ça, c'est une innovation. Ça, il n'est pas capable d'ibadat. Si c'est un ibadat, Rasul Sassam, tu fais les. Ban Sahaba tu fais li, ban Tabi'in tu fais li, ban Aïma tu fais li, tout ban Ulama tu suis les autres là-dedans. Pareil que moi, beaucoup ban les autres sunnah, comme les sunnah et non comme ça. Il m'est clair pour nous aujourd'hui, ben il m'est clair pour nous aujourd'hui. Tout le monde connaît. Il y a des sunnahs avant Nama Zohar, il y a des sunnahs avant Nama Fajar. Comment nous connaît ça? Parce qu'il y a des sunnahs là. Ça fait une vine bien à nous. Il y a quatre sunnahs avant Zohar, deux après Zohar. Ça m'est clair à nous. Les sunnahs pour manger dans la main droite, ça nous est clair à nous. Les sunnahs après manger, nous lier tel doigt, ça nous est clair à nous. Tout ce qui est là pour pratiquer comme dîne, est la preuve. Est la preuve de la sunnah. Parfois, il y a des gens qui disent, ouais, mais qui preuve qui ça bida? Mais quand des gens peuvent dire, tel qui soit bida, pas lui qui besoin d'une preuve. Parce qu'il y a un qui soit qui bida, quand tu prends la preuve de la Coran ou de la sunnah. Alors, le cas de preuve, c'est Rasul Sassam qui dit Kullu muhdathatin bid'a. Tout ce qu'on appelle nouveauté, c'est bid'a. Ou bien, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. N'importe qui invente dans sa dîne-là, qui soit qui n'a pas de sénat, dans l'époque Rasul Sassam, alors il recétait. Alors, ou finalement ça, ou dire ça, ibadat ça, amène preuve où? Amène preuve que Rasul Sassam vient faire ça, amène preuve que Man Sahaba vient faire ça. Les là, les vins n'ibadent, si vous prenez la preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la pratique de Man Sahaba, vous prenez la doute qui s'accalte action là, li n'a pas capable de vin ibadat. Prenez la personne qui vient comprendre li comme ça. Prenez aucun Sahaba qui comprend din comme ça, qui, quand Rasul Azam pan fait, je ne sais pas faire. Prenez aucun Tabi'in qui comprend qui ce qui Rasul Azam pan fait, ce qui Man Sahaba pan fait, je ne sais pas faire comme ibadat. Il n'y a aucun aïma qui finit de comprendre ça comme ça. Alors c'est juste ben égaré. C'est juste ben qui tombe dans l'égarement. C'est juste tout seul qui finit de comprendre d'une de sa façon là. Qui gagne droit ajouter dans d'une Allah subhanahu wa ta'ala, gagne droit inventer dans d'une Allah subhanahu wa ta'ala, gagne droit pratique, ben qui soit qui rassure son panpère et ben sahaba panpère. Mais ben qui l'a sur l'autre moustakim, ben a doute qui je finit de comprendre qui d'une Allah, quand nous avons envie de faire ibadat, nous, ibadat, bisez-en à sa déconditionnée réunie, l'éla qui dit accepter quand même ibadat. Alors, Inch'Allah, dans nos leçons, demain, nous vous continuons toujours dans cette ayat-là, un ayat qui, comment dire, c'est ça même ayat qui est plus important dans sa surah, je vous dois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous comprendre cette ayat-là bien et il fait nous venir parmi ban qui donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit qu'il méritait. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même ce plus grand droit, le nous, ça. C'est nous proclame sur l'unicité d'en faire ce ibadat. Nous faisons ibadat juste pour lui tout seul. C'est lui qui fait ibadat juste pour Allah, peine à d'autres qui lui prend de tchanna. Mais c'est lui qui lui fait ibadat pour les autres, apporte Allah, peine à d'autres qui lui poil dans l'enfer éternellement. Alors, c'est un ayat qui, si un du monde lui pratiquait, est dans ce jannat. Et s'il n'est pas pratiqué, il fait les contraires de cet ayat-là, c'est l'enfer. Alors, peine à doute, à cause de ce qui va dans la main, je dis que ça ayat là, il y a qu'un arboudou, il y a qu'un astarine, c'est ça même ayat qui plie important dans surat al-Fatiha.
Et comment nous pouvons apprendre vraiment ça à être là, c'est très important parce que l'aura même qui nous jannat ou bien nous l'enfer, celui qui pratique ça à être là, il peut gagner jannat. Celui qui ne pratique pas ça à être là, c'est l'enfer qui peut attendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous la compréhension et il fait nous mettre en pratique même chose qui nous apprend. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.